Kikou tout le monde. Kikou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on a notre premier guest, Mercia. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, Mercia va me maquiller et je ne vais pas regarder. Donc, on va retourner la caméra. Ou bien, bon, Mercia va cacher la caméra. Elle va faire ce qu'elle peut faire sur mon visage. Et après, on va voir ce que ça va donner. Ça va bien. La façon dont je vois son visage, j'ai très peu. Mais bon. Ouh. Oh, j'ai fait confiance, non. Pourquoi ce mot que je parle en français, hein? Je vais parler en créole, qui va comprendre? Toi. Bon, ok, moi d'abord ton visage. Alors, comme je vous disais, Mercia, elle revient du Seychelles. Moi, je vous ai pas besoin d'elle. Salut. Elle revient du Seychelles. Je vais vous mettre une petite photo, une petite vidéo juste après pour vous montrer un peu comment son beauty. Donc, on se retrouve tout de suite. Bisous. Quelle langue aux Seychelles? Aux Seychelles, on parle le créole. Mm-hmm. C'est genre mélangé avec le français, mélangé avec les tons africains. Parce que on est mélangé au pays. On vient de l'Europe, Asie et Afrique. Mm-hmm. Alors, c'est genre mélangé. Mm-hmm. Et on parle anglais. Mm-hmm. Donc créole, anglais. Créole, anglais et français. Mm-hmm. On apprend trois langues dès qu'on est petit. Alors moi je sais pas le temps que je savais parler les trois langues, tu vois. Mm-hmm. Parce que c'était toujours naturel. C'était toujours comme ça. Mm-hmm. Ouais. Mais tout le monde au Seychelles parle bien français. Bon, genre on parle couramment, genre comme ça facilement le français comme toi. Ben ils peuvent, mais beaucoup sont timides et mm-hmm. La nouvelle génération parle plus l'anglais, mmh, en fait. Et le français. Et on néglige un peu le créole, un peu. Donc, ok, donc du coup, en fait, vous parlez plus anglais que créole en ce moment. Ou bien genre, le créole, c'est comment dire? Non, on parle le créole genre dans la rue. Mmh. Mais en classe, on parle plus anglais. Par exemple, chez nous, tu vois, on a plusieurs ethnies. Mmh. Genre, il y a des fonds, il y a des machins, plusieurs personnes. Genre, oui, ok, c'est créole. On parle plus créole. Parce que nous, on parle genre, en général, quand on parle à l'école, on parle français. Mais si on est à la maison, tu vois, non, on peut parler le blanc, tu vois, mais je sais pas. Je parle un peu, mais voilà. En tout cas. Donc, ça veut dire, en fait, c'est créole, en fait, que vous parlez plus là-bas que l'anglais et le français, c'est ça? Oui, mais ça varie. Ça varie. Ça varie. Et on a vu sur les photos comment est ton joli petit pays. Vous avez combien d'îles? Parce qu'il y a plusieurs îles là-bas, en fait, c'est ce que tu m'as dit. Plusieurs, oui, petites machines. On a peut-être. Avant, c'était 119 îles. Mm-hmm. Mais on a les îles qu'on a comblées, mm-hmm, avec le corail. Alors, ça peut être genre 121. Et tu as tout visité? Non. Non. Mais ça te dit pas genre de faire genre de prendre une année et de visiter toutes les îles? Bien, c'est vraiment beaucoup. Ça va coûter. Cher. Ça va coûter. Bon, donc, Mercia, tu nous parles un peu de toi alors. Moi, je m'appelle Mercia Rose. J'ai 22 ans. Mm-hmm. J'habite en Chine pour le moment à Tianjin. Mm-hmm. J'étudie à Tianjin Daxue. Et tu étudies quoi? J'étudie la langue. Et comment ça se passe? Il y a des jours. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Exactement. Mais genre, si par exemple, par rapport à l'expérience que tu as eue en Chine, tu vois, est-ce que tu peux conseiller les autres personnes, genre par exemple, qui sont au Gabon, bien peu importe le pays, tu vois, ou bien au Seychelles, est-ce que tu peux genre les conseiller de venir genre étudier en Chine? Oui. Pourquoi? Moi, je vais encourager les gens à venir étudier en Chine parce que en Chine, il y a beaucoup d'opportunités. Je vais faire les yeux. Moi, je ne fais pas le fond de teint avant. Je fais les yeux. Et puis, on va passer sur le fond de teint. Désolé. Ok. On va utiliser ça. On a appris un gars dans notre classe. Il vient de Vietnam, non?
On a vu après comment distiller. Oh. En fait, Béachia, elle est plus gabonaise que moi. Je ne sais pas, mais elle maîtrise. Elle maîtrise Tada dans les Kombolo comme personne ici, là, en fait. Et au lieu de coloniser les autres par rapport aux Seychelles, elle colonise les autres par rapport. Comment on appelle ça, par rapport au Tony Bangando. Donc, genre, elle apprend qu'à mon gars, comment on dit stylé. Au lieu de dire, on dit juste stylé, elle dit non, stylé. Oh. Et le gars, en fait, à chaque fois qu'il me voit, en fait, et il ne fait que dire ça, stylé, oh, tu es stylé. Oh. Arrête de bouger, hein. Ouais, tu me fais faire. Mais c'est toi qui me fais parler. Merci. Ah, mon chien, tu sais comment les femmes sont en train d'aller sur les sourcils. Ça va aller. Allez, tu vas être même surpris quand tu vas voir ton visage. Je suis sûre que c'est une surprise. Try Beats Records on the beat. C'est un maquillage genre que tu viens de sortir dans une relation et tout, et genre là tu passes au... Ah, tu vas blaser. Tu vas blaser. Tu vas blaser. Ok. Ça c'est vraiment le maquillage des chefs des Kombolo. Oh mais je sais que j'ai la DH, si je fais ça c'est comme ça. Moi, je passe les trucs là avec le blender. Mm-hmm. Mm-hmm. Je vois ça. Moi, je mange pas, je ressens ça. Tu vas le fondre ta sueur aussi. Hein. Bah oui. Parce que on va voir ça en fait. Mm-hmm. Moi, je veux pas qu'on voit ça. Mm-hmm. Allez, regarde. Sinon le problème est dans cette maison, on ne peut pas savoir quel temps. J'espère que vous voyez comment elle me fait souffrir. Hein. Ah, c'est bien, je vais faire ça sur vos trucs. C'est pas grave, je vais voler ça après. Tu m'avais fait peur, mes chats. C'est bon, il ne faut pas m'arracher l'oreille. Non, oh. Il faut passer sur l'oreille et tout. Désolé. Ah, je t'ai fait quoi? C'est comme ça que j'étais. Venez me sauver, oh! Mmh, je suis le lèvre aussi! Bah, c'est comme ça qu'on fait. Ah, mon chat. Il n'y a pas de glissure là-dedans. Je suis désolée. Je n'ai pas l'habitude à faire des trucs comme ça. Genre, je deviens un peu violent, quoi. Oh, Jésus. Marie-Joseph, peut-être que j'ai vu que tu as pris du verre en fait. Donc, ça me fait ça. C'est mon cœur. J'espère que je ne ressens pas un clown sur le moment. Ça va aller avec. Tu me stresses, mes chiens. À un point, tu ne veux pas savoir. Oh, Jesus. Ne me dis pas que tu fais les points lumineux avec du verre. Ben oui. Oh, wow. Ça va bien joli, Seigneur. En fait, genre, tu veux que je ressemble à Avatar, quoi. Toi-même, tu sais. Ferme les yeux. Ouvre les yeux. En haut, nous allons. Allez, nous allons. Pourquoi tu essaies de regarder le camion? Jamais. Moi, je suis une bonne joueuse. Moi, je ne. Hein? Moi, je ne triche pas. J'espère que non. Parce qu'en fait, je veux que les gens puissent bien voir comment je serais choquée. Ouais, non. Réaction, rien. La fille pense que je fais des trucs, non, ce sont des... Regarde ça. Non mais mes chers, j'ai vu que tu as pris du verre. Ah. Donc ça me fait très peur. Si je n'avais pas vu le verre, je pouvais encore avoir confiance. Mais bon. Elle n'a pas confiance en moi. Je suis son amie de près. Je suis la fille là. Elle m'aime pas. Whoever, 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 whoever
elle va trouver? Où elle va, où elle va trouver? Où elle va, où elle va trouver? Où elle va, où elle va trouver? Voilà lui en fait, ma chère. Puisque je ne peux pas parler pour le moment, on raconte comment on s'est rencontrés. Ben, c'était quand on a fait le truc là, quand on venait d'inscrire à l'université, où on avait le rassemblement de tous les gens, et ils nous ont dit de partir avec notre Laoshi. Et bon, Laoshi c'est professeur. Ouais. Je vous ai vu en chemin. Je lui demandais, hi, are you in class? Je parlais l'anglais. C'est la première fille, elle va me parler. Et puis, elle parle le français. Donc je dis, ben, je parle le français, mais à ce moment-là, elle était trop timide. Il y avait beaucoup de temps que je n'ai pas parlé le français, en fait. Elle ne voulait pas parler le français. Je ne voulais pas parler le français, mais elle m'a genre colonisé et maintenant pas le tout. Oh, Seigneur. Bye. Mais c'est bien parce que on apprend beaucoup le français à l'école et c'est la langue nationale et quand même ça on parle très peu et on est timide en fait. Alors ça m'a aidé beaucoup. Et là quand je rentre au pays, j'ai des touristes qui parlent avec. Ah, je suis pas timide, hein. Mais je parle avec le ton dans mon anglais, je sais pas si ils me comprennent quand même. Donc voilà. Oui, après, tu es venu me parler. On est allé en classe. Mais quand on était à la classe, je pensais, je vous ai jamais dit ça, mais j'assois à l'arrière de la classe, j'en peux. Parce que je voulais pas t'embêter. C'est pourquoi je suis partie à l'arrière de la classe. Et moi, j'aime pas participer en classe. Genre, je suis vraiment timide de cette part. Oui. C'est mieux. Et puis, aussi, en plus, je pense aussi que c'est parce qu'en fait, comme tu as vu que Morgane et moi, on parlait beaucoup ensemble et tout, genre, tu t'es un peu éloignée et tout ça. Mais après, genre, on s'est retrouvés. Oh! Ce qui m'a amené un peu proche d'elle, la fille là m'a fait aller à la salle de sport. On est parti à la salle de sport. J'ai même oublié la partie là, oui, on est allé. Je voulais faire. Je voulais avoir des abdos jusqu'à aujourd'hui. Écoute, pour que je pars au Seychelles, dis que j'ai acheté des maillots. Oh, moi des maillots, mais. Tu vas voir dans les photos qu'elle va afficher pourquoi il faut acheter des maillots. Pas au Seychelles. Oh Seigneur. Le premier jour là. Le lendemain n'est pas venu en classe. Je suis pas allée en classe le lendemain. Et en plus, c'était pas trop loin. Hein. C'est toi. C'était chez le don. Après la salle de gym. Je suis pas partie en classe. Le lendemain, la petite côté. Après. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, je pense que, je sais pas, un jour. En fait, j'ai devais c'était, faire. C'était prêt pour Noël. Non, je devais d'abord faire genre. En fait, avant même, on ne parlait pas trop ensemble. Même genre après le jour du sport et tout, on parlait pas encore trop ensemble. Ouais. C'est genre, je pense, quand j'ai fait la vidéo de la classe où genre je suis allée chercher un peu le Facebook, genre de tout le monde et tout. Espionne! Les premières. En tout cas, genre, je suis allée et tout. Après, j'ai genre vu ton pays. Après, je suis venue parler avec toi. Tu m'as un peu parlé du Seychelles. Parce que j'ai trouvé ça trop beau. Et puis, elle m'a parlé. J'ai commencé à parler. De mon histoire et tout. Voilà, tout. Elle m'a raconté un peu sa vie, machin. Et genre, elle m'a dit après et tout que, genre, les fêtes de Noël, elle était toujours en famille ou bien, genre, avec son petit ami et tout ça. Et du coup, moi, je lui ai dit que bon, puisque sa famille n'est pas là et comme son petit ami aussi n'est pas ici et tout. Et il n'y a pas de Seychellois ici à TNG. Voilà, tu peux genre venir avec nous, les Gabonais et tout. Genre, on fait une petite sortie et tout ça. Si tu veux venir, viens. Y'a pas de problème. Elle a dit ok, elle va voir. Après genre le soir et tout, genre le soir même du 25 et tout, je lui ai demandé si elle venait toujours. Elle a fait ça timide, elle voulait pas venir. Après genre je lui ai forcé que tu viens avec moi. Oui, après, elle est venue. Et genre tout le monde l'a kiffé en fait, tous les Gabonais l'ont kiffé, les Gabonaises en fait, on l'a trop adoré. Donc du coup après, puisqu'on devait faire notre truc le 1er décembre, hein. Oui, le 31 décembre, oui. On devait faire le truc pour le nouvel an et tout. Les autres lui ont proposé genre de venir et tout. Et j'étais contente parce que tout le monde l'a dit, moi qui fais parce que c'est chef Kourolo quoi. Donc tout le monde l'a kiffé et puis genre on l'a proposé de venir faire le 31 avec nous parce que c'est assez séchelleuse d'ici. Et elle a accepté, c'est comme ça qu'on est devenus copines. Voilà. Monde fatigué rêvé, mon
vas-y sous dans mon lisier. C'est la fin de cette première partie de la vidéo. Donc en fait, Mercha nous a pas montré. En fait, Mercha m'a maquillée et juste dans la deuxième partie, en fait, je vais vous expliquer en fait les étapes. À quoi pas faire. Ah, y a quoi faire. C'est ça qu'on va faire. Je vais vous montrer genre en fait les étapes. Ne faire pas comme Mercia. Non, c'est bizarre qu'on appelle Mercia, non? Rose. Mais Rose, Rose c'est ton nom de famille. Oui, je sais, mais c'est plus facile. Non. Mais Mercia, c'est original. Regarde ça, quand elle fait original, elle me regarde comme ça. Tu as vu le maquillage comment je sais? Fais les commentaires. Oui. Laissez les commentaires en bas par rapport au maquillage de Mercia qui est super, qui est vraiment magnifique. Oh Seigneur! Waouh! Waouh! I'm so pretty now. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. On remercie beaucoup Mercia d'être notre première guest. Et j'espère qu'on va revoir Mercia sur notre chaîne parce que Mercia va nous laisser dans bientôt. Oui! Je vais Donc, je manque la plage. Je suis de la plage. Donc on vous fait plein des bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Bye.